Sans crier gare, elle est de retour. Alors que sa dernière publication sur son profil Instagram datait jusque-là du 7 juillet 2020, soit le lendemain de la date de sa passation du porte-parole du gouvernement à son successeur, Gabriel Attal, Cibès Ndiaye a fait une réapparition remarquée sur le réseau social ce lundi 12 juin. En mission pour Adecco France au titre de secrétaire générale, elle a profité d'être arrivée au terme de son projet pour publier une photo célébrant le succès et la réussite de l'organisation. En sandales, Jean Slim Griot à motifs zébrés, l'ex-femme politique de 43 ans pose aux côtés du directeur général de son groupe, Gérald Jasmin, devant le photocall de Roland Garros. Sourire aux lèvres, l'ex-proche du président de la République, en commentaire de la photo, se dit très fier de ses équipes qui ont tout donné durant cette nouvelle édition du tournoi de tennis et salue les centaines d'intérimaires qui ont contribué à ce succès, leur permettant d'être partenaires des plus grands événements sportifs. En charge du juridique, des solutions emploi, des affaires publiques et de la communication de son entreprise, où elle est également membre du comité exécutif. Celle qui dans le passé a été qualifiée de mormone du président était en première ligne dans le cadre de ce partenariat pour que les événements se déroulent sans accroc. Une réussite à en croire sa publication, dont elle peut se vanter et être fière. Cibès Ndiaye, la ministre confectionne elle-même certains de ses vêtements Cibès Ndiaye, loin de la politique. Elle semble s'épanouir pour Cibès Ndiaye. Ce nouveau travail où elle semble s'épanouir est une forme de renaissance après les difficultés rencontrées alors qu'elle évoluait en politique. Proche d'Emmanuel Macron, elle avait néanmoins multiplié les couacs et les erreurs au fil de ces derniers mois, ce qui a pu agacer dans le passé le président. Habituée à travailler avec Emmanuel Macron, elle avait tout de même déchanté elle aussi de son côté après son accession au pouvoir, lors de certains épisodes où elle avait reconnu avoir été exaspérée par le chef de l'État. Si elle assure tout de même être toujours un fervent soutien de son ancien patron, les relations semblent malgré tout distendues entre le président et son ancienne conseillère. À moins que des échanges en secret aient réconcilié les deux parties. Crédit photo, panoramique.